L'honorable député. Mr. Speaker. Monsieur le Président, aujourd'hui, le Globe and Mail demande à ce que l'on cesse de museler les scientifiques. La BBC a dit à tout le monde que les scientifiques canadiens du gouvernement n'ont pas droit à la libre parole. Nature l'avait dit aussi. Il est temps que le gouvernement canadien libère ces scientifiques. Il est temps. Qu'est-ce qui nuit plus au Canada que l'on nuise à notre réputation ainsi ou qu'on laisse les scientifiques parler de saumon ou de période glaciaire? Le ministre. Monsieur le Président, les Canadiens peuvent en fait s'enorgueillir de leurs chers scientifiques au gouvernement et des travaux qu'ils présentent dans les médias, dans les revues scientifiques. La stature de Nature comme revue bénéficie de la contribution de nos scientifiques.